Bonjour, alors voici mes quatre nouveaux enjolivers verts Mercedes en métal de couleur bordeaux. Après nettoyage et restauration, je les nettoyais et polis pour leur donner une nouvelle brillance. C'est une très belle couleur, entièrement nettoyée à l'arrière. Bye. Voici mes nouveaux enjoliveurs très rares de Fiat Coupé en 15 pouces. Bon état. Celui-ci, c'est le meilleur, celui que je garde. Quelques rayures. Toutes les fixations sont OK, je l'ai entièrement nettoyé. Le deuxième a une petite cassure vers le haut. Après le troisième, mini fissure. Il manque le cerclage. Et le dernier, malheureusement, a une fissure ici. Rien de bien grave. Voici mes nouveaux enjoliveurs très rares, des Quantum, avec la boîte d'origine que j'ai restaurée. Ils sont tout neufs, jamais servis. Très joli modèle, KT 844 1999. Juste la boîte qui a un peu souffert du temps. Bye. Bonjour, je vais vous présenter mes nouveaux enjoliveurs américains. Donc pour commencer, voici un enjoliveur de Plymouth Barracuda de 1969 en 14 pouces. Après, un enjoliveur de Ford Galaxy de 1970. En 14 pouces, je pense. Et pour finir, un enjoliveur de Oldsmobile Delta ou Cutlass de 1967. De 1992. Bye. Voici mes nouveaux enjoliveurs très rares d'AX, série limitée, entièrement neuf. Voici un enjoliveur de Super 5 Shoes. Très rare, en 13 pouces avec le liseré vert. Malheureusement, il a pas mal de rayures, mais je l'ai nettoyé et à l'arrière, tout est complet. France Pentagone, en 13. Provenait d'une roue avant. Bye. Voici mes no nouveaux enjoliveurs de Toyota Prius dans un état neuf. 15 pouces.
modèle Pacifico. Celui-ci de 2020. Bye. Voici mes nouveaux enjoliveurs de Opel Vector, très rares, en 14 pouces, après un nettoyage et une petite restauration. Donc celui-ci est en très bon état, qui est celui que je garde, comme neuf. Ils sont tous complets, les 4. 1984. Celui est en très bon état. Quelques petites rayures. Complet. Après, il y a lui qui est dans un état moyen car il est beaucoup rayé. Complet aussi. Et lui a quelques griffures. Complet aussi. Bye. Voici mes nouveaux enjoliveurs de Hyundai, extrêmement rares, en 13 pouces. Avant, Hyundai fabriquait les enjoliveurs par un fabricant d'universel. Ceux-ci n'ont jamais servi, juste un à qui manque le cerclage. Voici mes nouveaux enjoliveurs Quantong. Rare, en 15 pouces, de couleur noire et chromée. De 2008. Voici mes nouveaux enjoliveurs de Renault Espace en métal. Ils sont neufs, jamais servis, mais ont de la corrosion. Voici le meilleur, celui que je garde. Nouvel enjoliveur de Ford Focus que j'ai acheté avec les 3 polos. Une fois nettoyé, il est en très bon état. Il était très sale par contre. Bonjour, alors voici un nouvel enjoliveur que je viens d'avoir. Très précieux. Un enjoliveur de Peugeot 205 Green et CJ et 309 Green. En 13 pouces, c'est la finition blanche. Il a une très grande valeur. Bye. Bonjour, alors voici mes nouveaux enjoliveurs de Auto Bianchi A110 en version Abarth. Ils sont extrêmement rares. Toute leur peinture. Très bon état pour celui-ci, que je garde. Lui a quelques rayures. Après, il manque un peu de peinture. Et lui aussi. Bye. Voici mes nouveaux enjoliveurs de DS3 en 16 pouces. Un en très bon état. Entièrement nettoyé à neuf. Un Sungo avec quelques rayures que j'ai réparées. Bye! Voici un enjoliveur rare d'Alfa Romeo 147 série limitée en chromé et argenté. C'est un original en 15. La référence Alfa. Bye! Voici mon nouvel enjoliveur de Peugeot 205 309 de couleur blanche.
après nettoyage. J'ai aussi la version tout argentée et la version noire et rouge qui était sur mon ancienne voiture. Et il me manque la version noire et chromée et blanc et chromé. Et tout noir. Bye. Bonjour, alors voici mon nouvel enjoliveur de Jaguar, rare en 16 pouces. Bon état, malgré quelques rayures. Pour Jaguar X-Type en 16.